بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله Ala Muhammad al chers et sœurs. Alors, le secret d'aujourd'hui, c'est pour vous faire aimer par une personne en 24 heures, Inch'Allah, tant Pour faire le travail, vous écrivez ce que vous voyez ici. C'est un carré qui a été travaillé sur trois expressions. « Wa ma umiru illa liya'budu illa'han wahidan la ilaha illa Le point mystique égale 619. Ce qui équivaut exactement à « la ilaha illallah muhammad Rasulullah. Le point mystique également est 619. Ce qui équivaut aussi à Ar-Rahman Ar rahim le point mystique est 619. Ce qui équivaut à Fatabi'ani -e aussi, le point mystique est 619. Donc, le chiffre de base est 619. Alors, vous voyez apparaître un cercle. C'est le mime de Mahabba qui signifie amour. Et dans ce cercle-là, vous devez inscrire votre nom en haut et le nom de la personne que vous voulez qu'elle vous aime en bas. Vous pliez le carré et vous le portez sur vous et vous faites le zikr le matin, l'après-midi et la soirée. Dans les 24 heures, vous faites le zikr trois fois, Inch'Allah, et vous laissez. Inch allah ta'ala, à partir du jour que vous allez faire ce travail, vous allez sentir des changements vis-à-vis -vis de la personne, de son affection autour de vous avec le Dallah. Le zikr consiste à faire chaque verset 619 fois. Il faut faire d'abord astaghfirullah 100 fois, salatul fatiha, vous le faites 100 fois. Vous faites « rahman Ar-Rahimi 619 fois. Vous faites le zikr de « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » 619 fois. Vous faites le zikr de « Fattah aussi 619 fois. Et vous terminez par « ma umiru ila liya'budu ilahan wahidan » La ilaha dix 619 fois. Si vous faites ça en trois reprises dans les 24 heures, la personne va vous suivre de gré ou de force, inshallah dans la. la personne va vous porter une très grande amour et va suivre vos pas, va suivre ce que vous voulez d'elle avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le secret. Utilisez-le si vous en avez besoin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.